À chaque année, entre début juin puis fin novembre, il y a des dépressions qui se forment dans l'océan Atlantique et qui parfois deviennent des tempêtes tropicales, voire des ouragans. C'est jamais des bonnes surprises qui nous attendent pendant cette période-là. Et c'est pourquoi la majorité des navigateurs décident d'aller se réfugier ailleurs avant de reprendre l'aventure là où ils l'avaient laissée. En plus, je pense que c'est vraiment difficile de trouver des assurances qui assurent nos bateaux dans la zone à ouragans. Puis lorsqu'on en trouve, j'ose croire que c'est assez dispendieux. Cette année, c'est la troisième année qu'on décide de rester dans la zone à ouragan pour l'été. Heureusement, les dernières années nous ont épargnés, puis nous ont permis de comprendre un petit peu plus comment ça agit un ouragan. Puis aussi imprévisible qu'il puisse sembler, grâce à Internet et aux météorologues, on réussit à les voir arriver de 3 à 5 jours à l'avance. Ce qui est bien parce que ça nous donne le temps de se préparer ou de s'enfuir. Présentement, on est à Stuart, en Floride. Puis on aime bien ça. On trouve que c'est un bon endroit pour la saison des ouragans parce qu'on peut rapidement aller se cacher d'un côté ou de l'autre de la Floride grâce au canal Okeechobee. Puis on peut aussi voyager facilement du nord au sud. On est aussi très proche de la marina d'Indian Town, l'une des marinas les plus populaires pour laisser son voilier hors de l'eau pendant la saison des cyclones. On vient tout juste de vivre notre premier potentiel ouragan de la saison 2020. Puis, en fait, on avait envie de vous raconter comment ça s'était passé puis comment on s'était préparé pour ça. Cette saison-ci, elle a été annoncée par les professionnels comme étant une saison qui allait être quand même chaude au niveau des ouragans. Donc, ça se peut qu'il y en ait plusieurs. Et comme de fait, ça a commencé assez tôt. Deux ouragans dans la dernière semaine de juillet, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'histoire. Et puis là, c'est ce qui arrive maintenant. Donc, Ça commence bien. Vendredi dernier, le 31 juillet, on s'est aperçu qu'il y avait une tempête tropicale qui venait de passer par-dessus la République dominicaine, puis qui commençait à prendre de plus en plus de force, puis qui s'est transformée en fait en ouragan de catégorie 1. Selon le site qu'on utilise, qui s'appelle NOAA, en fait, on avait entre 5 et 10 % de chances d'avoir des vents ressentis de force d'ouragan, catégorie 1. Ça veut dire autour de 60 nœuds. Ce qu'on a fait, c'est on a préparé le bateau en fonction du pire scénario qui serait le 5 % de chance qu'on ait des vents ressentis de 60 nœuds. On aurait pu s'en aller si on voulait, mais on trouvait que c'était risqué parce que l'ouragan il était très instable. Fait que ce qu'on a décidé de faire, c'est vraiment de jouer avec les cartes qu'on connaissait et donc la baie dans laquelle on est présentement, qu'on connaît bien puis qu'on sait que le fond est vraiment, vraiment bon. Que dès vendredi, le matin, on a commencé, en fait, à préparer le bateau. Tu peux enlever les voiles, enlever le dodger, enlever les panneaux solaires, enlever le barbecue, le moteur, toutes les affaires dehors qui créent du fardage, en fait. Nous, ce qu'on pense, c'est que la meilleure chose à faire quand il y a un ouragan qui s'en vient dans ta direction, c'est de, si possible, t'en aller. Par contre, si jamais c'est pas possible, ou si finalement, pour quelconque raison, la décision, c'est pas de faire ça, on pense que t'es mieux d'être au mouillage que d'être à quai. Avant égal, je trouve que c'est mieux. J'aime mieux être 60 nœuds sur mon ancre, que j'ai bien préparé le bateau et tout. Comme ça, ça va faire que le bateau va toujours être le plus aérodynamique possible et ça va le moins tirer possible sur les taquets. Si t'es à quai puis que, par exemple, le vent, ben, il vient de côté, mais là, toute la surface du bateau attire tous les taquets puis ça fait en fait que tu génères plus de force sur ton encastillage, en fait. C'est les autres bateaux, s'il y en a un qui se détache ou il y a un bout de quai qui commence à faire défaut, ça crée souvent un effet de domino que t'as pas, en fait, ou beaucoup moins si t'es au mouillage.
pour faire ça simple, notre stratégie, ça a été de attacher le bateau sur l'ancre et de mettre le système d'ancrage le plus solide possible, le plus safe possible, et tout éliminer les problèmes un par un de c'est quoi être à l'ancre, et aussi de rendre le bateau le plus aérodynamique possible. Je savais que le fond était vraiment, vraiment adéquat. Notre ancre, c'est une Delta 35 livres qui est vraiment très surdimensionnée, et on a un 35 pieds de chaîne qui est aussi très, très surdimensionnée. Les manilles qui font le lien entre notre ancre, notre chaîne et notre câbleau, je les ai sécurisées avec des fils en stainless. Et c'est ça, notre câbleau qui est aussi très surdimensionné, qu'on est allé attacher sur le taquet principal. On a rajouté en plus du câbleau qu'on avait déjà, deux autres câbleaux qui sont venus s'attacher aux deux winches primaires puis à des taquets à l'arrière du bateau. Pour deux raisons, en fait, pour répartir la force sur l'accastillage du bateau. Donc là, c'est ce qui tient le bateau, c'est pas juste le taquet en avant, mais c'est aussi tous les points solides que le bateau peut offrir. Et en ayant trois câbleaux, ben au moins si t'en as un qui coupe ou t'en as un qui fait défaut, t'en as d'autres qui peuvent prendre le relais. Et aussi, le fait que ce soit du câbleau, c'est vraiment avantageux parce que ça a un effet que ça amortit les chocs, en fait. Si je pense que c'est important dans des situations comme ça d'avoir au moins une bonne quantité de câbleau, parce que si tu as juste la chaîne, ça peut donner des coups, puis ça, ces coups-là, c'est ça qui peut faire briser par exemple les taquets ou peu importe. Une chose qu'il faut faire attention, c'est le ragage. Qu'avons-nous fait pour limiter les risques de ragage de nos amarres, Annabelle? Ben, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a pris des tubes de PVC, puis on a passé les câbleaux là-dedans. Et Eloi a percé des trous bord en bord, puis ce que ça permettait, c'est qu'on puisse coudre ces tuyaux-là sur nos câbleaux. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est qu'ils puissent tenir pendant tout le long de l'ouragan. On veut pas qu'ils glissent ou qu'ils s'en aillent. On veut protéger nos câbles le plus possible, parce que c'est ça qui nous tient. Donc, puis ce qu'on s'était fait dire par quelqu'un qui avait déjà passé un ouragan sur son bateau pendant une catégorie 1, c'est que les câbles, ils s'étirent tellement, mais tellement, qu'à minute qu'il y a une friction, même les chaumards, ouais. même l'intérieur des tuyaux, le rebord de l'intérieur, ça aussi, ça peut créer un peu de friction, puis ça coupe les brins des câbleaux un par un. Avez-vous vu ça? Comment c'est fou? Comme une espèce de ligne de nuages circulaire. Comme si, genre, il y avait eu une explosion. C'est vraiment bizarre. J'ai jamais vu ça. Ça a clairement rapport avec l'ouragan. Ouh! On vient de réserver une chambre d'hôtel. L'ouragan, c'est un force 1. Puis, il y a une faible chance, mais il y a une chance qu'il passe au-dessus de nous. Puis on a décidé qu'on allait attacher le bateau comme il faut, puis qu'on allait aller à l'hôtel. C'est moi qui ai callé qu'on allait à l'hôtel, tu sais, parce que... Puis tu sais, l'hôtel, c'est 100$. Tu sais, c'est 100$, là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais Annabelle, tu sais, était hésitante. Je disais, tu sais, si c'est juste une question d'argent, c'est pas une bonne raison là, de pas aller à l'hôtel, ouais, ça va coûter 100$, mais on s'en fout là, 100$, on s'en fout là, de ça, c'est pas l'argent, c'est pas l'important en ce moment. C'est ça, si t'sais, le bateau comme il est en ce moment, il peut prendre vraiment beaucoup de vent. T'sais. Pourquoi on quitte le bateau? C'est parce que il annonce un ouragan force 1, qui est sujet à passer ici, ou proche. Puis cet ouragan-là, il est vraiment imprévisible. Ils disent que la force de l'ouragan est censée diminuer, mais on peut pas être sûr à 100%. Puis quand tu es dans le bateau, puis que là, il y a 65 nœuds de vent, puis que finalement, ça va monter jusqu'à 100 nœuds de vent, puis personne s'y attendait, ben là, c'est plus le temps de quitter le bateau. Là. Fait que c'est mieux d'être plus safe, je pense, que d'être moins safe. T'as-tu pris ma brosse à dents? Oui. Notre bateau, il a tellement l'air tout nu, là. Il a l'air de pas utiliser. Et
c'était bizarre. On était parti avec quand il y avait Dorian, quand on avait quitté le bateau, là, on me sentait vraiment accroche. Mm-hmm. Là, je me sens correct. Ouais. Je trouve qu'il est autant bien attaché que. Il est même. Je trouve qu'il est mieux que tous les bateaux dans Marina là-bas. Je trouve qu'il est... Pour des gens qui vivent sur l'eau, il n'y a rien comme vivre le luxe d'une chambre d'hôtel pendant une journée. Même si c'est loin d'être un 5 étoiles. On en a profité pour se laver profondément, puis aussi pour s'effoirer dans un lit king full confortable. Le genre de choses qu'on ne peut pas vraiment faire sur un voilier. Le lendemain, on a quitté notre chambre d'hôtel et bonne nouvelle, il n'y avait plus d'alerte d'ouragan. Ce qui voulait dire que finalement, on allait seulement subir des vents de force de tempête tropicale. Fait qu'on n'a pas attendu plus longtemps, puis on est retourné sur Galway, puis on s'est installé à nouveau. Une fausse alerte, ça mérite d'être célébré. C'est le calme après la tempête, mesdames et messieurs. Ici, nous avons un potage de... courge musquée, ail, oignon et curry. En bout de ligne, nous, les, tu sais, quand on était au Québec puis qu'on n'était pas là-dedans, la saison des ouragans, ça semblait vraiment mystérieux puis vraiment quelque chose de gros. Mais, tu sais, si tu remets en perspective des gens qui vivent à l'année dans les Caraïbes ou en Floride ou dans les zones à risque d'ouragan, il y en a. Puis il y a des gens que pour eux, c'est une réalité, puis c'est une norme, en fait. Quand t'es sur ton voilier, t'es déjà un petit peu plus chanceux que n'importe qui a sa maison sur Terre, dans les îles ou quoi que ce soit, parce que toi, t'as une chance de pouvoir te sauver. Eux autres, s'il y a un ouragan qui s'en vient sur eux, ça se peut qu'ils perdent leur maison, puis ils peuvent pas tasser leur maison de là. Ouais. On est vraiment contents, en tout cas, que ce premier ouragan-là se soit bien passé. Puis là, ben, c'est sûr qu'on va garder un œil ouvert pour le reste de la saison parce que en général, juillet, c'est quand même assez calme. Puis c'est surtout en fin août puis septembre que là, il faut garder vraiment l'œil ouvert. Fait que c'est ça qu'on va faire pour cet été. On va vous tenir au courant. Mais jusqu'à présent, chose certaine, on est prêts. On a tout l'équipement qu'il nous faut. Merci d'avoir écouté notre vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez cliquer sur « J'aime » puis vous abonner à notre chaîne. C'est une façon super simple et gratuite de nous encourager. Sinon, on tient à remercier nos Patreons qui nous encouragent à toutes les semaines. Vous faites une énorme différence dans cette aventure, puis on vous en remercie. Finalement, bienvenue à Michel Balieu, Michel Pirozzi, Philippe Jacob, Julien Lionneton, la famille Grave, Power Bleuet, Pascal et Hugo Amiotte qui sont nos nouveaux Patreons. À bientôt tout le monde.